Il n'est pas mort, il vit. Dimanche 28 juillet 2024, le cabaret Azik Duchamp a été transformé en télé-réalité. Comme annoncé, les fans n'ont pas raté. Malgré la traversée du tunnel difficile, Dieu a stoppé les taxis pour faire traverser ses enfants. Il est 23h lorsque Christian a fait son entrée. Ce que vous voyez n'est ni l'Espagne ou bien l'Allemagne, c'est bel et bien le continent où le seul condiment qui passe en toutes circonstances, le gospel. La louange était au niveau où Dieu lui-même a voulu. C'était aussi un moyen pour les fans de Christian Lagloire de se voir, faire aussi leur devoir dans la joie. Nombreux étaient au cabaret gospel pour voir et découvrir Lagloire et ses belles mélodies. Difficile de se séparer de l'évangéliste. Selfie obligatoire pour éviter les bagarres. Pourquoi il a déposé son dévolu sur moi pour l'encadrer et surtout pour prier le Seigneur afin qu'il soit élevé beaucoup plus. Dieu de gloire a donc pris sa gloire au conseil de son fils Christian Lagloire. Come on!